de l'ordinaire, il n'empêche ce Paris-là à la tête des mauvais jours. Les chiffres le prouvent, en championnat, il faut remonter à loin pour retrouver un PSG aussi peu qu'au Caire. Bah alors Bibi, cette saison, plus mauvais bilan. C'est quoi? Paris est clairement en retard sur ses temps de passage, moins joueur, moins flamboyant, et ce n'est pas qu'une impression. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à l'été 2018, cette saison est de loin la pire. Depuis la rentrée, 20 matchs joués, jamais le PSG n'a aussi peu gagné, 13 victoires, jamais il n'a autant perdu, 6 défaites. Les joueurs parisiens sont moins décisifs dans les zones de vérité. Depuis le début de saison, 46 buts marqués, 17 encaissés. Les chiffres sont moins bons qu'avant. C'est le plus mauvais bilan sous la tourelle. Voilà des records dont se passerait bien l'actionnaire Qatari. Bon. L'entraîneur allemand n'a plus le droit à les mains. Et en Ligue des Champions, ça vient de se terminer. Les filles de l'Olympique Lyonnais sont qualifiées pour les 8e de finale. Les Lyonnaises ont rendu hommage ce soir à Gérard Rouillet juste avant le coup d'envoi face à la Juventus au Groupama Stadium. Les Lyonnaises s'étaient imposées 3-2 à l'aller la semaine passée. Elles s'imposent ce soir 3-0 grâce notamment à ce premier but de l'Allemande Zenifer Marozan. Oh, c'est Rookie qu'on entend. Alors Bibi, il est Rookie. Et à part ça, au menu ce soir, des nouvelles de Julien Lizrou et la Marseillaise chantée par toute la planète rugby. On voit tout ça avec Marie-Claude Mori et Guillaume Lancin. À part ça, ils sont tous d'anciens rugbymen internationaux et ils chantent la Marseillaise pour promouvoir la Coupe du Monde 2023 en France. Et même à l'époque, ça chante un peu. Ah, Coupe du Monde 2023 de rugby, pas de foot. Il y a du vent dans les voiles pour Antoine Albo, l'homme le plus rapide sur l'eau en planche à voile. Il travaille sur le record absolu de vitesse en windsurf. Entouré de 4 magistères, le projet s'appelle Zephyr et se construit entre deux courants d'air. Quand le manque vire à l'obsession, voilà ce que ça donne. Julien Lizrou, le skieur, n'a pas revu du depuis 316 jours à cause de la pandémie. Et là, ça vire à l'idée fixe. Heureusement, fin du calvaire, le 21 décembre, avec le slalom d'Alta Badia en 311 jours qu'il a pas fait d'esquire alors que c'est un skieur professionnel. Mais il va. Sinon. Pardon. Ah, tu tiens bien, hein. Oh là là, bravo Bibi. Waouh. Il est pas très très... Tu vois, comme quoi. Un plongeon de 23 mètres, juste comme ça, pour rigoler avec les copains, et ça, c'est pas mal. T'as vu ça, le plongeon? C'est affreux. Jamais de ma vie, je ferais ça. Bibi, Bibi, Bibi. Trois drôles de filles au bord du lac d'Annecy pour un film 100% féminin. Au premier plan, la réalisatrice Colline Balébal. Au milieu, Juliette Villemain, pointure du freestyle. En guest, Marion Ayala, trois fois championne du monde en snowboard freeride. Allez Bibi, allez Bibi. C'est mal connaître Lorraine des Neiges. Ma rookie. Oula. Allez. Tu lâches là. Je sens que tu lâches mon doigt. C'est bon. Tu l'as attrapé. A raccroché les spatules en compétition la saison dernière. Sur ce projet, elle s'est donnée à 100%, voire plus. Sur le premier film féminin de l'histoire du ski, tourné aussi. En milieu urbain. Attention, Bibi. Non, elle va sauter sur la table. Ok. Dans le film, on n'a pas joué un rôle, mais c'est nous-mêmes, c'était vraiment trop cool. Le fait de gérer, c'est trop bien de mettre en avant. Ah, c'est cool, c'est les filles d'avoir tout ça. Voilà,
savez, justement, les multiples, ça pouvait aussi nous dérouler. Et les balades, pour nous, sont pas indifférentes entre hommes et les femmes. Skivas, le film, c'est 10 des meilleures skieuses et snowboardeuses de la planète. Une touche de féminité entre copines dans leur univers. En tant que femme, à une femme qui suit une femme qui est souvent, et du coup, vas-y, je pense que ça va pouvoir inciter tous les filles, et me dire tout simplement, c'est pas du tout un sport de la vraie garçon, mais c'est même si on a plus. Tu tiens toute seule, ma bibi, hein, moi je tiens pas. En ce temps de confinement, Skivas est disponible sur les réseaux sociaux, histoire d'en prendre plein les yeux devant vos écrans. Bien dormi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle l'info du jour. Les handballeuses françaises sont en demi-finale de l'Euro. Passez une excellente soirée. Incroyable, Bibi. Retrouvons-nous dès vendredi soir pour le début des fêtes sur France Télévisions. Et jusqu'au 3 janvier, c'est le grand rattrapage sur la plateforme France.fr.